Good morgen. Allez, Iden les Sucres aujourd'hui, le Nishmat Recharon Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, et Sarah Bat Ita, ainsi que l'Irfouat. Chanala Bat Gitel Dora Sarah Ben Rama, Efrat Bat Sarah Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Shkalim, Perikai Mishnah Bet. En Pochatin Mishlocha Gizbarin, ou Mishiva Amarkelin, Ven Osin Srara Alat Sibur Ben Mamon, Pachot Mishnaim, Chutz Mi Ben Achia, Shal Chole Me'aim, Vel Azar Shala Parochet, Shotan, Kiblu Rov Atsibur Alehen. On a commencé dans la Mishnah précédente à découvrir les fonctions, différentes fonctions qu'on équivaut au Beth Amikdash, plusieurs rôles, plusieurs postes. Et du coup, la Mishnah nous enseigne maintenant quelques petits détails. D'abord, par rapport à très général, que En Pochatin Mishlosha Gizbarin, le but c'est d'arriver sur la suite de la phrase, mais du coup on va se dire, chaque fois que, de n'importe quel poste, il va rarement être rempli par une seule personne, il va toujours avoir au moins deux, voire trois, voire même sept personnes qui vont remplir n'importe quel poste. On n'est pas une personne tout seul sur un poste, vous imaginez bien qu'il n'y ait pas de soupçon de corruption, de trafic, au moins quand il y a deux personnes, il y a un qui a plus honte de l'autre et tout ça, ça s'entretient mieux. Donc du coup, la Mishnah commence à me raconter comme ça. En Pochatin Mishlosha Gizbarin. Lorsque l'on veut récolter des fonds pour le Beth Amikdash, donc il y avait des gizbarim, c'était des trésoriers qui avaient l'argent, là il en fallait trois. Jamais moins que trois. Ou Mishiva Amarkalim. Alors au-dessus des trésoriers, il y avait des Amarkalim. Amarkalim, c'est des postes encore plus supérieurs, les PDG, enfin, dans les sociétés, quoi. Il y a des chefs les chefs de groupe, et il y a au-dessus. Amar Kalin, c'est celui qui est au-dessus. D'accord? Qui sont au-dessus. Et là, il en fallait 7. Concrètement, le Barthénois, il rallonge pour apporter qu'il y avait d'abord l'origine du mot Amar Kalin, Amar Alcool. C'est un mot qui a été dit, c'est fréquent dans les bouts de la Mishnah, des mots qui ont été créés à partir des fonctions Amar Alcool. Il dit, il parle surtout. C'est-à-dire qu'il a son mot à dire surtout. Il est au-dessus de tout. Il en faut 7 comme ça. Le partenaire rapporte qu'ils avaient tous, ils avaient chacun une clé, et que pour ouvrir toutes les portes importantes où il y avait l'argent, ils étaient obligés de. Chacun, il devait apporter sa clé pour ouvrir sa serrure. Et ensemble, ils pouvaient, il y avait les 7 serrures qui étaient ouvertes, et seulement on pouvait retirer ce qu'on avait besoin, d'accord? Et Ve'en osin srara la tzibur bemamon pachut mishnaim. Alors c'est en ça que ça revient sur la Mishnah précédente, en fait, que toutes les srarot, tous les postes qu'on a évoqués, là-haut, on en a évoqué plusieurs, je ne sais pas compter, je ne sais plus. Mais dans toutes les fonctions qu'il y avait là-bas, il fallait qu'il y avait au moins deux personnes qui remplissent le poste. Pas une seule personne qui travaille tout seul, au moins deux. Ok? Imaginez, on vient ramasser l'argent pour une bonne cause. Ça sort de là une alakha qu'il faut au moins. Voilà. C'est pas des gizbarim, c'est pas des trésoriers qui vont ramasser l'argent. Il faut au moins, malgré tout, deux govim. Comme ça, c'est une marre pour te laisser dans Baba Batra sur ça. Au moins, lorsqu'il y a deux personnes qui viennent, ça laisse... on met pas deux bons juifs, ils mettent pas de l'argent dans la poche. Un, on peut comprendre qu'il y en a une Yetzarara, on a un peu peur. Si on a deux, il y en a un qui donne des comptes à l'autre, il y a... D'accord? On parle de gens chéris, bien évidemment. Et voilà, donc, on ne nommera pas de fonction de poste sur une Srara à la Tzibour, un poste où il y a un rôle public, Bemamon, où il y a la barre de l'argent qui passe. Pachot Mishnaim, on n'en nommera pas au moins deux en même temps qui travaillent sur la même chose. Sauf, Chutz Michel, Mi Ben Achia, Shal Chole Me'aim, à l'exception du cas qu'on avait évoqué dans la mission précédente de Ben Achia, qui était responsable sur les Chole Me'aim, sur ceux qui avaient des problèmes de digestion. Là, on avait dit que, au Beth Amikdash, quand ils mangeaient beaucoup de viande, ils marchaient pieds nus, parfois ils faisaient froid, du coup ça leur posait des problèmes de. Il fallait un docteur en fait. C'était Ben Achia qui avait des remèdes pour chacun. Et là, c'était un rôle, alors je sais pas où il y avait de l'argent qui passait par là-bas, apparemment il y avait rien à voir, sûrement il y avait des frais à payer, et ouais, il devait sûrement payer les frais de remède et tout ça. Donc du coup, malgré tout, bien qu'il y avait de l'argent qui passait, puisque Ben Achia, spécialement, on le laissait travailler tout seul, il y a aussi El Hazar chez Al Aparochot. Il y a aussi El Hazar qui était responsable sur les parochet, c'était l'avant-dernier de la Mishnah sur les parochet, les rideaux, les teintures, il y avait les
la séparation entre le Kodesh HaKodeshim et le Echal, il y avait là-bas deux rideaux qui étaient repliés, et d'autres encore. Donc lui, maintenant, même s'il y a de l'argent qui passe, c'est-à-dire il va falloir prendre de l'argent pour aller le dépenser, pour vérifier, il y avait des gens qui travaillaient pour pouvoir les tisser, c'était tout un travail, malgré tout, on peut le laisser tout seul. Pour quelle raison? Chez Otan, Kiblou, Rov, Atzibur, Alehen. Car ces personnes-là, Rov, Atzibur, la majorité du public, l'a accepté de les prendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème, en fait, qu'il y ait une personne qui va ramasser l'argent tout seul, ou qui va gérer une caisse tout seul, mais à condition que ce soit que le public lui-même l'a nommé, l'a accepté. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a plus de soupçon. Tout le problème, c'est le soupçon. Les gens ont commencé à lui dire « Oh, t'as vu comment il a commencé à grossir ces derniers temps, il mange beaucoup plus. » Et ouais, donc du coup, pour ne pas arriver à ces situations, alors, c'est pour ça qu'il fallait nommer deux personnes. Mais quand c'est des personnes qui sont en toute confiance, que les gens apprécient et qui les ont nommés eux-mêmes, ils peuvent gérer tout seuls une caisse. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, Kol Tov, Salah.